Derek Chauvin ne témoignera pas à son procès. L'ex-policier de Minneapolis, accusé d'avoir tué George Floyd, a décidé d'invoquer son droit au silence dans la crainte que son témoignage ne puisse l'incriminer. Aux États-Unis, c'est le privilège de tout accusé, un droit qui est fixé par le 5e amendement de la Constitution américaine. Comme c'est l'usage, son avocat Eric Nelson lui a posé la question s'il avait décidé de témoigner ou d'invoquer le 5e amendement. I will invoke my Fifth Amendment privilege today. Après que Derek Chauvin a une première fois invoqué le 5e amendement, le juge Cahill s'est assuré que sa décision avait été prise librement. Quelqu'un vous a-t-il promis quelque chose ou bien menacé en quelque façon pour vous empêcher de témoigner? Ni promesse ni menace, votre honneur. Derek Chauvin assure que sa décision est volontaire. Il restera silencieux. Derek Chauvin est accusé d'avoir tué George Floyd le 25 mai 2020 en maintenant un genou sur son cou pendant 9 minutes. Le verdict est attendu avant la fin du mois.